Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et en fait aujourd'hui je vais ranger les grands placards de la salle pour regagner de la place, puisque du coup comme je vous ai expliqué j'ai fait mon bureau là-haut. Donc j'ai encore plein de papiers etc, donc il faut que je trie tout ça. Je vais faire un grand tri aussi de mes papiers, ce que je dois acheter et tout, parce que franchement on accumule trop de choses qui ne servent même pas à rien, qu'on garde pour rien. Donc je vais trier tout ça, je vais essayer de déplacer les chaussures à l'âne, enfin de regagner de la place et ranger intelligemment. Donc je me suis dit que ça pourrait vous plaire, donc bah on y va, let's go. Alors je vais ranger en fait ça, vous le connaissez, je l'ai déjà rangé plusieurs fois, mais vu que j'ai fait mon bureau en haut, tout ça n'a plus lieu d'être ici, donc du coup je vais trier les papiers, les ranger correctement. Après je garderai peut-être une étagère pour vraiment mettre tout ce qui est papeterie, pour être tranquille, parce que du coup en haut j'ai pas de place. Et Pankings, et vraiment enlever le surplus, ce qui est pas nécessaire. Et voilà, ça va faire du bien, comme ça je vais regagner un petit peu de place. Et puis de toute façon, il faut que ça soit trié et rangé. Donc c'est parti. Et on a un peu Puppy qui aide maman. Oui, je suis là, maman Punk. Puppy. Oui. J'ai été rechercher d'autres papiers en haut et du coup là tout est en train d'être finalisé. Mais comme ça je vais tout trier, tout ranger comme il faut et ça va faire du bien. Bon, ça donne ça, j'ai tout trié. Là il y a un amas de papiers, il y en a encore plein que j'ai déjà jetés. Donc ça fait du bien de trier tous les papiers, ceux qu'on avait besoin, ceux qu'on n'a pas besoin. Donc là on va aller faire une petite pause, on va aller chercher un petit McDo. Ah, le Pinkings, des frites. Oh, la frite du Pinkings. Et puis on reprendra ça après, mais déjà je suis trop contente, j'ai tout bien trié. Ça y est, j'ai tout nettoyé, donc tout est propre. Donc là je laisse les bouteilles d'eau, vous voyez, donc j'ai le sac poubelle qui est là. Tout ça, oh non Sony, tu files hein. Tous les papiers sont rangés, tout ça c'est à remonter en haut et à ranger dans le bureau qui est là-haut, tout propre et tout. Mais c'est fait. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais essayer, j'ai bien dit essayer, de regarder ce qu'il y a dans le meuble d'à côté pour remettre des choses ici, sachant que bah vu que c'est en, vous voyez au niveau de la profondeur c'est pas ouf, ça qui est chiant là c'est tout en, c'est pas droit quoi, donc c'est un peu le problème. C'est biscornu comme disait. Bah c'est même pas biscornu, parce que quand vous voyez là normalement, enfin on voit c'est profond puis ça revient plus court, enfin allez chercher à comprendre pour comment ils ont fait ça, je comprends pas, bref. Donc je vais essayer de mettre autre chose ici et vraiment mettre tout ce qui est papeterie et bureau là-haut pour être tranquille. Ici il y a toutes les tasses, donc ça ça va pas bouger. Ici il y a quelques petits trucs, mais pareil je pense que ça va pas bouger plus que ça. Mais voilà, là déjà c'est propre, là on voit bien que c'est pas droit du tout. Et je vais voir ce que je peux faire à côté, parce qu'à côté bah vous connaissez hein, si vous me suivez depuis longtemps vous savez. Hop, voilà, il y a la bouffe. Et puis il y a encore un petit peu de trucs ici à droite à gauche, donc on va voir ça. Peut-être que je vais mettre les médicaments, les trucs comme ça, je sais pas encore, je vais regarder. Et le Pankings qui voit quoi? Tu veux quoi mon puppy? Je veux la ballonne maman. Tu veux le Spidey? Mais tu l'as tué Spidey. Je m'en fous, je veux mon Spidey. Alors là j'ai vidé tout ce compartiment ici, que j'ai réussi à mettre sur l'autre, de l'autre côté, donc je vais vous montrer après. Là je vais redonner un coup ici, j'ai fait le tri dans mes casseroles, donc c'est pareil. J'ai jeté les jouets de Puppy, je lui ai donné son Spidey, elle est trop contente de Pankings. Mais bon, il est mort, hein. Je l'ai vidé complètement parce que sinon elle est déchiquetée, enfin elle l'a déjà tué. Mais elle est contente, elle a son Spidey de Pankings. Tu fais quoi Puppy? Il est mort le Spider-Man maman. Et je vais continuer à trier tout ça, à ranger, parce qu'au mois de mai on a les encombrants, donc c'est le moment et je voudrais tout réaménager. Proprement, donc voilà, je continue tranquillement mais sûrement. Et donc là j'ai ma poubelle, vous voyez, j'ai retrié les médicaments pour l'instant, donc ça donne ça. Là j'ai mis tout ce qui est torchon, là tout ce qui est pour les bougies etc, donc voilà pour l'instant. Là j'ai mis mes casseroles, là juste un, enfin, c'est pas une assiette mais c'est pour un plat dessert. Donc je continue à ranger tranquillement avec Puppy qui fout le bordel. Et voilà, pour essayer d'être bien organisée, que ça soit bien propre, ça va faire le plus grand bien. Alors je vous montre, du coup j'ai tout vidé ici comme je vous avais dit. J'ai remonté mes gros appareils que j'utilise régulièrement. Et du coup ici j'ai mis l'appareil pour faire les gâteaux que j'utilise de temps en temps, donc qui n'est pas très très loin.
mon fer et puis les affaires à Alan pour tout ce qui est muscu. Là, j'ai redonné un coup partout. Ça m'a permis en même temps de redonner, de nettoyer pour tout ce qui est gâteau, pain, le stock de flocons d'avoine pour Alan. Là, c'est mes petits stocks, voilà, tout ce qui est pain de mie et tout. Gâteau, apéro, mais il n'y a plus grand chose. Et chips. Ça, c'est au cas où si on a des gâteaux. Donc voilà. Et puis là-bas, c'est tout ce qui est friandise pour le pancakes. Ici, pour l'instant, j'ai rien. Mais j'ai nettoyé quand même. Ici, du coup, dans le fond, là, le sac Cendrillon, c'est mes produits terminés. Le petit pochon qui est ici, c'est pour mettre les sacs pour le caca puppy d'avance. Là, c'est mes plateaux. Là, c'est des petits trucs qui restent, mon faux électrique et tout ça. Et puis ça, c'est à ma maman, donc il faudra que je lui ramène de l'alcool. Même si on en boit très peu. Tu te pousses, le pink. Merci. Et là, c'est vide. Et en fait, on va mettre les chaussures à Alan qui sont là-haut. Là où il y a beaucoup d'humidité, donc on va dégager ça. Comme ça, ce placard-là, on s'en servira plus. Ça va être plus simple. Et on va voir si on peut mettre les chaussures à Alan ici proprement. On va tenter, on verra bien si ça passe ou pas. Ah, le pancakes, ouais. Et vous voyez, j'ai fait un peu de tri. Hein. Donc voilà, donc là, je suis plutôt contente. Ici, je vais vous montrer. Donc du coup, j'ai mis mes poêles et casseroles ici. C'est tout aussi bien. Mes bouteilles d'eau. Là, j'ai rien à rajouter d'autre. Là, c'est les serviettes. En fait, je change les serviettes que j'ai sur le canapé toutes les deux semaines à peu près, ou toutes les semaines, ça va dépendre. Et j'ai celle de rechange. Et voilà, comme ça, là, c'est propre. Là, ça n'a pas changé non plus. Dans le 1, 2, 3. Dans l'endroit qui est ici, où j'ai beaucoup de place, je me tâte, je vous avoue, à placer tout ce qui est ici. Sachant qu'ici c'est tout ce qui est gel douche à moi, à Alan, mes produits pour les cheveux et tout ça. Je me dis que ça pourrait être pas mal. Et ici, mettre peut-être mon stock de pâtes et tout ça que j'ai d'avance. Donc à voir. Sachant que tout ce qui est conserve, etc., stock, pâtes, machin, j'ai tout ici. Donc je ne sais pas de trop, mais voilà. Ou au pire, mettre autre chose là-bas. Je n'en ai aucune idée pour le moment. Donc voilà. On verra ça, mais déjà je vais continuer à ranger tout ça, ranger toute la zone qui est ici, le pancakes, descendre tout ce qu'il y a pour les encombrants à la cave parce que c'est au mois de mai, comme ça on sera tranquille. Et voilà, mais bon, du coup ça va être nettoyer et d'avancer tranquille mille. On a descendu tout ce qu'il y avait à descendre, le sac poubelle, tout. Donc là, il me reste toujours mes papiers que je vais monter tout à l'heure. Là, on a clean un petit peu ici. Merci Sonny. Et là, du coup, on va donner un bon coup de nettoyage aussi là, ici. J'enlèverai les chaussures à Alan après. Mais du coup, pareil, j'ai mon imprimante et tout. Donc peut-être que finalement, l'imprimante, je vais la mettre ici pour que ce soit plus facile. Je sais pas encore. Je vais voir comment je m'organise. Mais voilà, ça fait un moment aussi que je devais le faire. Donc bah c'est parti, let's go. Vous voyez, hein, y a un petit peu de bordel quand même. Puis on va faire du tri aussi parce que je pense qu'il y a des choses ici que je ne mets plus. Donc je vais voir ça. Ça va faire du bien. Alors voilà ce que ça donne. Donc là j'ai juste laissé les petites, ma petite panière avec tout ce qui est bonnet et quelques écharpes. Là j'ai mis mes sacs et une cassette à Alan. Ici c'est juste les cintres. Quand je repasse, au moins j'ai ce qu'il faut. Parce qu'au fur et à mesure, bah on prend nos affaires en haut, on redescend les cintres comme ça. Quand je repasse, j'ai pas besoin de courir après les cintres, même si avec ma mouvre, hein. Là, j'ai un sac, une écharpe et ma pochette d'ordinateur. Les chaussures, je vais voir aller ranger ailleurs plus tard. Parce qu'il y a encore quand même beaucoup d'humidité dans ce placard, donc j'essaye d'en mettre le moins possible. Et dans les vêtements, j'ai fait du tri et j'ai tout rangé, donc ça, c'est top. Et du coup j'ai nettoyé tout le parterre et tout, et j'ai rien laissé en bas, comme ça ça reste propre. Et du coup, hop, je vais vous montrer. Donc là il y a un petit peu de bazar, il y a des choses que je vais vendre et tout. Et là pour l'instant j'ai juste mis l'imprimante, donc à voir si je la laisse là. Enfin je pense que oui, de toute façon ça va être beaucoup plus pratique pour moi qu'elle soit ici. Ça va dégager après, mais voilà, l'imprimante et un ordi ici. Voilà, et donc là, je vais descendre les chaussures à Mamour. Alors, pour les chaussures, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, tout est rentré nickel chrome. Donc, c'est parfait. Là, ça n'a pas changé. Et là, je ne sais pas encore. Mais c'est sûr que ça, je le laisse là où il va aller là. Je ne sais pas encore, mais voilà. Et là, j'ai mis la bonbonnière. Je vous avais pas montré. Enfin, sinon, on a pris ça. Si vous nous suivez depuis un moment, on avait acheté ça à BM. C'est pour mettre les bonbons. Mais là, on n'en a plus pour le moment.
Donc voilà, très contente. Et donc lui il est vide et on le laissera vide, comme ça au moins on est tranquille. Et puis voilà, donc ça c'est une très bonne chose de fait, je suis très contente. Donc je vais continuer mon petit rangement puis je vous montre ce que j'ai fait ici ou pas, on verra. Quelques changements, donc du coup ici j'ai enlevé les médicaments et tout ce qu'il y avait ici, je vais vous montrer pourquoi. Donc j'ai laissé mes casseroles et mes poêles ici, il n'y a aucun problème. Là j'ai juste laissé tout ce qui était pour les bougies, mais après on verra remettre autre chose, c'est pas gênant. Voilà, donc ici je pense que je vous avais montré, mais j'avais remis quelques tasses. On verra par la suite à peut-être remettre d'autres tasses pour détasser un petit peu ici, mais à voir. Ici du coup, j'ai une étagère de vide en haut et du coup j'ai mis les médicaments ici, tout ce qui est torchons, etc. ici. Là c'est une petite boîte avec des mouchoirs, les grands mouchoirs, là c'est les paquets de mouchoirs, là les grands mouchoirs. Pour mettre dans la salle de bain et tout ce qui est démaquillant pour les yeux de chez Sephora. Enfin en haut il n'y a rien, donc pour l'instant je n'ai rien d'autre à mettre, donc je laisse comme ça. Voilà, je vais vous montrer la suite. Donc celui-ci il est totalement fini, donc je suis très contente, comme je dis j'ai encore un peu de place. Et ici, donc là il n'y a rien qu'à changer à part là, voilà. Donc ici en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai descendu tous mes produits de beauté. Attendez, je vais allumer la lumière parce que il fait pas très très beau. Voilà. Oh, regardez le petit Pancakes. Ça va l'amour de ma vie. Maman, tu dis bonjour aux filles et aux garçons? Non, je suis fatiguée maman, fous-moi la paix. Donc ici, comme je vous disais, j'ai mis tout ce qui est gel douche, déo, etc. Donc là, on a la bannette où il y a les produits à l'âne. Là, c'est tout ce qui est coton, lingette pour les lunettes, tout ce qui est pour les règles. Ici, on a tout ce qui est pour cheveux. Donc j'ai sèche-cheveux, boucleur, lame, tout ce qui, enfin mes couleurs. Après, shampoing, etc. Et là, c'est les crèmes pour le corps. Ici, c'est tout ce qui est gel douche, gommage. Là c'est mes gels douche Disney, là c'est les trucs pour les mains Disney que j'avais acheté chez Action, mon stock de déo, et puis là du coup j'ai fait une petite présentation, voilà, même là je fais de la présentation les gars, je sais, mais bon autant que ce soit joli, hein. Donc du coup j'ai fait ça comme ça, et ici du coup c'est un peu plus serré certes, mais franchement je referai un tri je pense, voilà, on verra. Par exemple ça, je sais pas si je vais le garder, ça je ne sais pas non plus, le ça voilà. Des choses que je pense qu'ils finiront en donation tout simplement. Donc ici j'ai remis la petite truc où en fait vous voyez ça s'ouvre. Et je mets les sacs du Pinkings. C'était ma patronne qui avait eu ça, donc du coup elle me l'avait donné parce que bah du coup c'est des Sangha ici et Pepi ici. Là donc derrière mon sac avec mes produits terminés, ça c'est à ma mère, donc voilà. L'imprimante elle est bien mieux ici à côté par terre, c'est beaucoup plus pratique pour moi. Donc ça doit partir comme je vous ai dit, et je pense que tout ce qui est ça va dégager aussi. Il me restera que mes plateaux, je pense que ça sera mieux. Ça c'est un peu d'alcool que j'ai, que je bois pas, mais quand j'ai du monde. Et puis là bah j'ai laissé les chaussures à Alan, mais du coup ici ça fait une petite présentation, voilà, donc nous ça nous convient, et voilà, donc on gagne de la place et c'est cool, donc je suis trop contente. Et puis à côté bah ça a pas changé, donc voilà, trop happy, tout est rangé. Bon, on se retrouve, regardez pas ma tête, j'étais à la douche, mais ça y est, tout est rangé. Sunny, tu descends s'il te plaît. Sunny, oui. Oh, on a dit quoi la rebelle là? Ah, nom de Dieu. Donc ça y est, tout est fait, tout est rangé, les placards derrière sont nickel, donc je suis trop contente. J'ai trié tous mes papiers, ça c'est pareil, ça fait énormément de bien avec ce duo, donc c'est parfait. Donc voilà, j'espère en tout cas que le vlog vous a plu. Moi je vais aller me sécher les cheveux tranquillou bilou. Et je vais aller profiter de ma soirée. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao !